l'ami d'enfance du nouveau? C'est dingue, ça. Quelle chance tu as, je voudrais bien être à ta place. Est-ce qu'il est toujours aussi distant avec tout le monde ou est-ce qu'il est timide? Avant, Kamui n'était pas du tout comme ça, mais là je trouve qu'il a beaucoup changé. C'est vrai, il était presque agressif quand je lui ai parlé. Ça arrive assez souvent à son âge. Et puis certains garçons sont mal à l'aise quand ils revoient une ancienne amie d'enfance. Oui, c'est vrai. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, tu sais. Ils prennent des attitudes d'homme à l'adolescence. Je dois avouer que je les trouve vraiment très mignons. Toi, tu te considères peut-être comme une adulte, mais il n'y a pas si longtemps, tu prenais encore ton bain avec ton père. Je ne veux plus que tu parles de ça. Je vous laisse. J'ai des courses à faire pour ce soir. Salut, bonne soirée. Au revoir, à demain. Continue. Oui, grimpe encore un peu plus haut, Kamui, c'est bien. J'y arriverai pas, j'ai trop peur. Si t'es pas une poule mouillée, tu dois y arriver. Regarde, le nid est juste là. Où ça? Aide-moi, je le vois pas. Tu le vois là? Oui, ça y est, j'y suis arrivée. Alors on y va. Oh. Remets dans ton nid, mais faut plus tomber. Il est trop mignon. Il est content d'avoir retrouvé son nid. Tant mieux. On a bien fait. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bruit? Oh, Kamui, me lâche pas. Je te tiens bien, t'en fais pas. Kamui, n'aie pas peur, je te laisserai jamais tomber. J'ai peur, Kamui. Tu crains rien tant que je suis là. Tiens bon, Kotori. Oh, Kamui. Dis, tu m'entends? Kamui, t'es mort ou tu dors? Kamui. Oh, regardez. Surtout, ne bougez pas. On revient. C'est à cause de moi. Calme-toi. Tu es là, Fuma. T'es un homme maintenant. Tu as protégé et sauvé Kotori. Elle n'a rien? Non. Grâce à toi, ma sœur n'est pas blessée. Maintenant, quoi qu'il arrive, toi et moi, on est liés à jamais. Je serai toujours là pour te protéger. T'as été fantastique. Je te remercie, Kamui. On était pourtant très amis. Maintenant, je le mets mal à l'aise. Oui, ça doit être ça. C'est pour ça qu'il a réagi comme ça. Faudrait que t'apprennes les règles ici. Alors, on t'écoute. Hé, hey, t'entends? T'es pas muet quand même. Allez, t'as bien un peu de fric sur toi, hein? On t'a posé une question. Allez, file-nous ton fric. Me regarde pas comme ça. Vraiment, tu me plais pas beaucoup. J'ai plutôt envie de te frapper. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites à 3 contre 1? On discute, c'est tout. Et puis c'est pas tes oignons, alors tu ferais mieux de t'en aller avant que mon copain s'occupe de toi. Allez, dégage, on n'a pas besoin de toi. Et attendez les mecs, c'est la petite sœur de Fuma. Fuma Mono? Ouais, le grand, en première, il est au club de basket. Bon, après tout, je m'en fous, ça règle pas le problème. Qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu un fantôme? Qu'est-ce que t'as? Vas-y, parle. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui t'a fait? T'as mal où? J'ai mal. Faut l'emmener chez le médecin. Aïe, arrête! Non, me touche pas, tu me fais mal. Allez, relève-toi. Oui, je sais, moi aussi, je l'ai vu. Il t'a parlé? Non. Même s'il lui ressemble beaucoup, c'est pas vraiment lui, c'est assez étrange. C'est le physique de Kamui, mais avec une autre aura. Quand je l'ai vu, j'ai cru qu'il réagissait comme ça, par timidité. Mais c'était autre chose. C'est vrai, il n'a rien à voir avec le gentil Kamui qu'on a connu dans notre enfance. Ne sois pas triste, petite sœur. On finira par le retrouver comme il était avant. Bon, moi je sors. Tu vas t'entraîner? Oui, le tournoi approche. Bon courage.
papa? Oui. Ça ne va pas? Qu'est-ce que tu as? Je vais bien. Alors comme ça, Kamui Shiro est arrivé dans votre école? Je crois que Fuma a entièrement raison. Ce qu'il dit est vrai. Et puis franchement, ne t'inquiète pas. Kamui est un gentil garçon. Il l'était quand il était petit. Maintenant, ce n'est plus du tout le même. C'est un adolescent, mais il n'a pas pu oublier tout ce que vous avez vécu ensemble. Tu crois? Bien sûr. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu me veux? Rien, je te regarde. Pourquoi tu lui as cassé le poignet? Tu es venu jusqu'ici pour venger tes petits copains, c'est ça, non? Je t'ai bien observé. Tu n'arrives pas à contrôler ta force. J'ai du mal à croire que tu sois le véritable Kamui. Ça y est, j'ai compris. Toi aussi, tu es là pour m'observer. Oh, doucement. Calme-toi. Réponds-moi, on t'a envoyé ici pour me juger, c'est ça? Tu dois faire un rapport pour savoir si je suis digne ou pas de prendre l'épée divine. Oui. Mais je ne te juge pas, je ne fais que t'observer. Toi, ça t'amuse peut-être, mais moi, je ne supporte pas. Ça me met vraiment hors de moi. On ne peut pas commettre d'erreur. Il faut qu'on soit certain de choisir la bonne personne. Je vais t'enlever tous tes doutes. Nous allons nous battre. Non, je refuse. Il n'est pas question qu'on se batte ici. On ne peut pas faire ça. Ça suffit! On ne peut pas impliquer le commun des mortels. Ce n'est pas mon problème. Tu es encore vivant, bravo. Tu es résistant. Tu te débrouilles mieux qu'un shiki. Ça ne m'impressionne pas. Tu n'es qu'un usurpateur. Tu es beaucoup trop égoïste. Tu ne peux pas être le vrai Kamui. Une autre preuve. Tu n'as aucune résistance. Les prémonitions de la princesse Inoto sont toujours exactes. Pourtant là... Dis-moi, qu'est-ce que tu marmonnes tout seul? Si tu me cherches, lève la tête! Je vais te prouver que le véritable Kamui, c'est moi! Tu n'as pas été un adversaire des plus faciles. Tu m'entends? Dis-moi pour qui tu travailles. Parle! Arrêtez! Laissez-le, le combat est terminé. Pas pour moi, je n'ai rien demandé, il m'a provoqué! Je n'ai pas envie de me battre contre vous. Vous devez aller vous soigner, vous êtes blessé. Ça n'a aucune importance. Je n'épargnerai aucun de ceux qui se mettront en travers de mon chemin! Nous reverrons bientôt. Attends! J'ai mal. Qui est là? C'est toi, Kamui? Qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Kamui, ça va?
T'es blessé? Tu saignes? Fais voir. Ceux avec qui tu t'es battu sont revenus, c'est ça? C'est Kotori qui m'a tout raconté. Surtout, ne fais pas d'efforts. Ne bouge pas, tu saignes beaucoup. T'en fais pas, c'est rien. Dis pas de bêtises, c'est peut-être grave. Je vais t'aider, il faut te faire soigner. Non, laisse-moi et ne m'approche plus. Je suis ton ami, Kamui. Qu'est-ce que tu as? Je comprends pas, qu'est-ce qui t'arrive? Laisse-moi. T'es bizarre, y a un truc qui va pas. C'est justement pour ça que tu dois me laisser. Je ne veux surtout plus que tu m'approches. Kamui. Il y a de quoi se prendre la tête avec ce mec, il est d'un compliqué. Princesse Inoto, je ne fais pas partie des sept sceaux comme Arashi. Je ne suis que votre humble serviteur qui vous est totalement dévoué. Si je peux me permettre, selon moi, je doute qu'il soit le véritable Kamui. Pourtant, je reconnais qu'il possède un très grand pouvoir. Ce garçon n'a pas le moindre scrupule à écraser tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Et... Ah, Kamui ne ferait pas ça. Je comprends vos doutes. Je vous remercie pour votre loyauté. Maintenant, vous devez aller vous soigner. Venez par ici. Dis-moi, Arashi, quel est ton avis sur le seigneur Kamui? Je suis un peu comme le seigneur Saeki. J'ai un doute. On ne peut pas encore lui remettre l'épée divine. Peut-être. Vous n'êtes pas convaincu? Qu'est-ce qui vous fait tellement croire que c'est Kamui? Princesse, qu'avez-vous vu dans votre rêve? La fin du monde, l'apocalypse. Lorsque j'ai vu la fin du monde, ce garçon était là. Il m'a aperçu alors que je le voyais dans mon rêve. Vous comprenez, il a pu me voir alors que c'était absolument impossible. Et aujourd'hui, ce garçon que j'ai vu au lycée avait le même visage. Pour moi, il ne fait aucun doute que ces deux garçons, celui dont j'ai rêvé et celui que j'ai vu aujourd'hui, ne sont qu'une seule et même personne, j'en suis certaine. Donc dans ce cas... Oui. Je pense qu'il s'agit bien de Kamui. Mais il n'est pas encore totalement éveillé. Ou alors, mes visions sont fausses et je me suis trompée. Non, votre pouvoir est réel, vous ne vous êtes pas trompée. Combien de personnes sont venues vous consulter et ont pu être sauvées grâce à vos prophéties? Elles sont infaillibles. Princesse, vous avez une visite. Bien, permettez-moi de me retirer. Un instant, Arashi. J'aimerais que vous observiez ce garçon. Ne le quittez pas des yeux, je veux savoir de quelle façon il évolue, ce qu'il fait, ce qu'il va devenir. D'accord, j'observerai Kamui jusqu'à ce qu'il s'éveille. Arashi, vous qui êtes l'un des sept sceaux, il faut que vous protégiez Kamui. N'oubliez pas que le sort du monde est entre ses mains. Alors je vous en prie, veillez sur lui. Je fais confiance à Inoto. Elle ne s'est jamais trompée. Elle a sacrifié sa vie pour se consacrer à la voyance. Grâce à ses dons, la grande prêtresse a toujours aidé et soutenu l'humanité. Là, elle vient de prédire la fin du monde. J'aimerais tant savoir ce qu'elle a vu dans son rêve. J'aime pas beaucoup tout ce qui se passe. Les événements prennent une tournure bizarre. Je voulais parler à Kamui, mais je me suis fait doubler par un gars habillé en lycéen qui s'est pointé avant moi.
Ensuite, une fille avec une épée sortant de sa main l'a provoqué. Et puis son copain, le basketteur, a fait son apparition. Et moi, j'ai pas eu encore un seul moment pour parler avec lui. Je fais quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Tu t'es mis là pour réfléchir? On peut dire ça comme ça. Ne fais pas attention à moi, je ne fais que passer. C'est bizarre ta façon de passer. J'ai rarement vu un promeneur qui se tenait debout en haut d'un arbre. Les étoiles sont belles, le ciel est limpide, c'est le temps idéal pour une balade. T'es vraiment trop drôle. Hey, t'es là parce que toi aussi tu veux parler à Kamui? Qui sait, mais si c'était le cas, qu'est-ce que tu compterais faire? Est-ce que tu es avec le gars en uniforme? Non, pas du tout. De toute façon, j'ai bien l'intention de lui parler en premier. Ah, tu as établi une barrière de protection. C'est la première fois que j'en vois une. Ainsi, toute une zone bien définie est projetée dans une autre dimension. Exact. Je suis en même temps un combattant, mais aussi un pacifiste. Les gens qui ne possèdent pas nos pouvoirs ne doivent pas être pris en otage. C'est la seule façon que j'ai trouvée pour ne pas faire de dégâts dans le monde réel. Comme ça, on peut combattre. Et on ne perturbe pas les gens ordinaires. Exactement. Tu as tout compris. C'est vrai. Avec une barrière, la zone protégée devient une autre dimension et n'affecte plus la réalité. Mais si celui qui l'a mise meurt ou est grièvement blessé, à ce moment-là, la réalité subira quand même les dommages que nous aurons faits. J'ai bien résumé la situation? Tu as l'air de bien connaître. La théorie seulement. Passons à la pratique, alors. Si tu veux sortir de cette barrière, il faudra d'abord me combattre et ensuite me tuer. Je crois savoir qui tu es. Puisque tu as compris, tu dois savoir que notre groupe est concerné par la fin du monde. Vraiment? On n'a pas encore fait les présentations. Je suis Sorata Arisugawa. Et je suis en première au lycée. Heureux de faire ta connaissance. À mon tour de me présenter, Yuto Kigai. Je ne suis pas étudiant, mais fonctionnaire de l'état civil. Pourtant, tu n'en as pas du tout l'allure. Tu ressembles beaucoup plus à un go-go boy. C'est vrai, mais ça ne me vexe pas. C'est pas mal. Tu te débrouilles plutôt bien malgré ton air de gigolo. Ah ouais? Je te renvoie le compliment, petit rigolo. Franchement, je te trouve assez fun comme mec. Tes compliments me touchent. Il a réussi à franchir la barrière. Qui est-ce? Il n'est pas avec toi? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Sorata, je crois qu'il faut s'arrêter et décider d'un match nul. Je suis d'accord. Je crois qu'on n'a pas le choix. Je ne comprends rien à ce qui vient de se passer. J'ai peut-être rêvé. Regarde. Il n'y a pas le moindre dégât sur la ville. Ce qui prouve que ma barrière était hermétique. Et pourtant, je ne comprends pas. Quelque chose ne va pas. Ce n'est pas possible qu'un être normal ait pu franchir une barrière de protection de ce niveau. Je me demande qui peut être ce garçon. Tu as raison. C'est une bonne question. Je m'en vais. J'ai été très content de faire ta connaissance. Maintenant, tu as le champ libre pour approcher Kamui en premier. D'accord. J'espère qu'on se reverra et qu'on finira notre combat la prochaine fois. Ah oui, j'y compte bien, moi aussi. Bye. Rencontre plutôt captivante. Je ne l'oublierai pas. Et il ne faut surtout pas le sous-estimer. Thank you.
Je suis là pour protéger Kamui, je suis un de ses amis. Qu'est-ce que tu lui veux? Dégage. Kamui, c'est moi, Fuma. Ta blessure, ça va? Je t'en prie, Kamui, si ça va bien, réponds-moi. Tu m'entends? Réponds. Il est là pourtant, je l'ai vu entrer tout à l'heure, et je suis sûr qu'il n'est pas ressorti. Hé, hey, puisque t'as l'air si inquiet, pourquoi t'ouvres pas la porte pour voir? Kamui, j'ouvre, je vais entrer. Kamui! Tu as déliré tout à l'heure. Ne bouge pas, ne fais pas d'efforts. Il faut te reposer. Il a sûrement encore très mal, mais il n'a rien de cassé. Heureusement pour lui, il s'en tire avec simplement quelques contusions. Après une bonne nuit de repos, ça ira mieux. Demain, il n'aura plus de fièvre. Et si tu as faim, tu me le dis, hein? J'ai pris des soupes en sachet. C'est bon quand on est malade. Si tu veux, je t'en prépare une maintenant. Bon, il n'en a pas envie. Repose-toi, Kamui. Dors bien. Il n'y a rien de mieux pour récupérer. L'appétit viendra après. Je vais y aller. Oh. Je te le confie. Si tu peux rester, ça serait bien. Ne t'en fais pas, il n'y a aucun problème. Je m'appelle Sorata Risugawa et je suis un de ses copains. Dans ce cas, je pars tranquille. T'inquiète, tu peux compter sur moi. Merci pour ton aide. Kamui, si jamais tu m'entends. Je voulais te dire que Kotori se fait beaucoup de soucis pour toi. Et je m'en fais, moi aussi. C'est vraiment un chic type, ton copain. Ce qui est étonnant, c'est que tu te sois remis si vite. Ça, ça m'a bluffé. T'avais deux côtes de cassé et en un rien de temps, te voilà presque rétabli. J'avoue que ça me laisse plutôt perplexe. Dis-moi, je ne me suis pas trompé de personne. Tu es bien Kamui Shiro. Mettons les choses au point tout de suite. J'aime pas beaucoup les étrangers qui me tutoient comme ça d'emblée. Détends-toi, allez, cool, mec, ok? Je suis de ton côté. Je veux savoir qui tu es. Je suis un moine. Je sais que j'en ai pas l'air, pourtant je suis un moine du Mont Koya. Du Mont Koya? Ouais, c'est vrai. Je vois dans tes yeux que t'as du mal à me croire, mais je t'assure que c'est la stricte vérité. Et alors, je devrais te faire confiance uniquement parce que tu es un moine? Non, pas uniquement. Écoute-moi, c'est très important. Le temple du Mont Koya est le cœur de la secte Shingon. Malheureusement, c'est un lieu très touristique et il a un peu perdu de sa valeur sacrée. Mais au sommet du mont vit un astrologue que l'on appelle le liseur d'étoiles. C'est un érudit spécialiste de l'astrologie ésotérique bouddhiste. Il y a peu de temps, le vieux liseur d'étoiles m'a appelé et m'a fait une grande révélation. Il m'a dit, l'étoile du destin de Kamui vient de bouger. L'étoile de mon destin? Oui, l'étoile de ton destin a bougé. Je suis l'une des sept étoiles du ciel, correspondant à l'un des sept sceaux. J'ai subi une formation tout à fait particulière au sein du temple du Mont Koya. Le moment d'utiliser tous nos pouvoirs est enfin venu. La fin du monde arrivera le jour promis. Le vieil astrologue m'a ordonné de t'aider et de te protéger au péril de ma vie. Oui, il m'a demandé de te protéger. Mais il m'a fait une autre révélation. Il m'a dit, lorsque Kamui Shiro viendra de perdre sa mère, il reviendra alors à Tokyo guidé par sa destinée. Et aujourd'hui, tu es revenu à Tokyo. Toutes les prédictions vont se réaliser. Si tu es ici, c'est parce que tu viens de perdre un proche. Voilà déjà une partie de ton destin qui vient de s'accomplir. Et le tien doit certainement être que je te tue. Calme-toi, calme-toi! Pardonne-moi si je t'ai rappelé de mauvais souvenirs, mais tu dois encore m'écouter. J'ai d'autres choses importantes à te dire. Arrête! Ça va, t'énerve pas!
Tu dois m'écouter, j'ai pas encore fini. Laisse-moi te parler, Kamui, c'est important. D'accord. J'ai compris, je m'en vais. Plutôt irascible, le destin du monde. Il a pas voulu m'écouter jusqu'au bout. Tant pis pour ce soir. Mais il va pas bien dans sa tête. Pour un peu, je me faisais tuer. De toute manière, c'est râpé pour aujourd'hui. Enfin, demain est un autre jour. Allô, c'est Yuto. Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu surprise et inquiète. D'habitude, tu n'aimes pas utiliser le téléphone. Oui, c'est vrai. Mais ne t'en fais pas, il n'y a rien de grave. C'était juste pour te prévenir que je serai en retard. Mais où es-tu? Je suis encore à Ikebukuro. Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est tellement rare que tu sois en retard. J'ai été bloqué par une barrière. Je ne comprends pas. Oh, c'est simple. J'étais venu voir Kamui, mais un jeune garçon d'Osaka était là lui aussi. Il a créé une barrière de protection pour qu'on puisse se battre sans danger pour le monde réel. C'est la première fois que je voyais ça. C'était magnifique. D'un seul coup, on était dans un autre espace. Quand il a ôté la barrière, vraiment, c'était super. Tout était intact. Tu crois que ce garçon est concerné par la fin du monde? Oh oui, certainement. Et à mon avis, ça doit être l'un des sept sceaux. Et tu t'es battu avec l'un des sept sceaux? Je ne te félicite pas. Je sais, je n'aurais pas dû. Il était tellement sympa que je n'ai pas pu résister. On a dû s'arrêter et déclarer match nul. On a eu un visiteur. Un visiteur? Oui, un jeune garçon à bicyclette a réussi à traverser la barrière. C'est impossible, ou alors... Qui était-ce? Je n'en sais rien, il ressemblait à n'importe quel lycéen, mais je ne sais absolument pas qui ça peut être. Je vois. Bon, tu me donneras des détails tout à l'heure, quand tu seras là. D'accord, à tout de suite. Désolée de t'interrompre. Je pensais que tu avais fini. Tu ne me déranges pas, je viens de terminer. Tu as obtenu une réponse? Est-ce que tu sais si ce garçon est le vrai Kamui? Ce que je peux t'affirmer, c'est que le Beast a répondu oui. D'accord. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas perdu de temps pour le contacter. Un des sept sceaux l'a déjà rencontré. Ça va être très amusant. Satsuki, si Yuto arrive, demande-lui de patienter, s'il te plaît. Tu vas travailler? J'ai encore pas mal de tri à faire dans les papiers de mon supérieur. C'est pas facile, le travail de secrétaire. Et ça ne laisse pas beaucoup de temps libre. Oui, je n'en doute pas. Est-ce qu'un jour, je pourrais aller en haut? En haut? Si tu en as envie, pourquoi pas. Mais je n'en vois pas l'intérêt. Tu vas trouver ça terriblement ennuyeux. Ennuyeux? Pourquoi? Ne te fais pas d'illusions. Il n'y a rien d'agréable. Je m'en doutais un peu. C'est ce que je m'étais imaginé. Excusez-moi. Merci. Kamui! Comment vas-tu? Et ta blessure? Mon frère m'a dit que tu étais grièvement blessé. Ça, c'est... On appelle ça le aizome. C'est beau, non? Oui. Est-ce que tu sais ce que c'est? Le aizome est une technique de teinture tout à fait particulière. Je trouve que c'est absolument passionnant. L'année dernière, j'ai suivi un stage dans un atelier spécialisé. Il faut d'abord faire fermenter la plante, après il faut filtrer plusieurs fois le liquide obtenu, et à la fin, on obtient cette couleur.
C'est magnifique, non? Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça très beau. Oui. C'est tout à fait le bleu des mers profondes. Je trouve que cette couleur a des vertus vraiment apaisantes. On y ressent la chaleur et on devine le sable blanc. J'ai envie de m'y plonger. Tu sais, pour les prochaines vacances d'été, j'ai pensé retourner dans cet atelier pour me perfectionner. Ce ne sera pas suffisant, mais ce sera déjà ça. Il paraît qu'il faut entre 10 et 20 ans de pratique dans la teinture pour réussir à obtenir ce bleu indigo tellement exceptionnel. Un jour, je réaliserai mon rêve. 10 à 20 ans, c'est vraiment très long. Oui. Merci, Kamui. Bon, ben, je vais y aller. Je prends ce livre. Très bien. Tenez, votre fiche. Oh. Le livre avant le 4 du mois prochain. D'accord. Je commence à en avoir assez d'être sans arrêt espionné. Ne me dis pas que tu es là par hasard. Et surtout, ne me raconte pas que c'est à cause de mes blessures. Hélas, même si je vous répondais oui, vous ne me croiriez pas. C'est sûr. Une question. Je voudrais connaître le nom de celui qui est censé m'évaluer. Dis-le-moi tout de suite. Si tu ne me dis rien, tu vas le regretter. Faites ce que vous voulez. Quoi qu'il arrive, je veux vous dire quelque chose. Personne, ni vous, ni aucun d'entre nous, ne pourra échapper à son destin. Arrête! Je commence à en avoir marre de vos histoires. Ça ne me regarde pas. Je m'en fiche. Moi, je suis l'un des sept sceaux et je sais que ma destinée est de vivre comme ça. Je n'irai pas contre mon destin. Fais comme bon te semble. Ça ne me concerne pas. Tu vas transmettre un message de ma part à celui ou celle qui t'envoie. Dis-lui que s'il ne me donne pas l'épée divine, je quitterai Tokyo. Ah, autre chose. Je ne veux plus jamais te voir tourner autour de moi. Sinon, je te tuerai. Arashi, grande Arashi, membre des sept sceaux, veillez sur Kamui, protégez-le. N'oubliez pas qu'il a entre les mains la destinée du monde. Arashi, vous avez le devoir de le protéger. Ça va? Je suis un peu en retard, je suis passée à la bibliothèque. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as l'air bien joyeuse. Je suis contente. Oui, je vois ça. Je ne sais pas pourquoi, mais tant mieux. Bon, je vais aller préparer le dîner, papa. D'accord, tu m'appelleras. Saya, les enfants ont grandi. Ce seront bientôt des adultes. Le moment où ils connaîtront leur destinée est proche. Bientôt, ils sauront ce qui attend les enfants nés au temple Togakushi. 6 années se sont déjà écoulées depuis que Toru m'a remis l'épée divine. Aujourd'hui, tout est en train de reprendre place. Kamui est revenu à Tokyo pour la récupérer. Mon chéri, lorsque je ne serai plus là, promets-moi de protéger Fuma et Kotori. Je te les confie. Saya, je te demande pardon. Je me sens vraiment responsable de ce qui t'arrive. Je n'aurais peut-être jamais dû t'amener au temple. Ah, je ne regrette rien. J'ai connu le bonheur près de toi. Et j'ai toujours été très heureuse. Je n'aurais jamais rien souhaité d'autre. Mes enfants... Votre mère est très malade.
Elle doit subir une opération importante. Unissons nos forces et prions pour elle. De ce conflit. Et la mère de Kamui aussi est morte. Et même si c'est notre destin, je ne parviens pas à l'assumer. Oh, Kamui, tu es là. Ça me fait plaisir de te voir. Bonsoir. Ça va mieux? Tu n'as plus mal? Ça va. Oh. Tu veux faire un panier? Bravo. Ça, c'est précis. Tu ne veux pas rentrer dans notre club? Tu seras un très bon élément pour notre équipe. Je suis juste venu te remercier pour hier. Non, je t'en prie. J'ai tenu la promesse que je t'avais faite quand on était petit. Tu t'en souviens? C'était le jour où tu as sauvé Kotori dans le parc. À cette époque, je t'avais fait un serment. J'avais dit que je te protégerais, et ça, quoi qu'il arrive. On est lié à jamais et ça ne changera pas. Attrape! J'ai oublié. Je n'ai plus de passé. Hein? Fais comme moi. Je te conseille de tout oublier. Kamui. Tu as compris? Et à l'avenir, ne te mêle plus de mes affaires. Tu peux considérer ça comme un autre serment. Qui est là? Kamui, c'est toi? Qui vient d'entrer? Dis-moi qui tu es et ce que tu veux. Qui es-tu? Réponds-moi. Nataku. Je suis Nataku. Je fais partie des dragons de la Terre. L'un des sept anges. Ça vient de chez nous. Kamui, attends! J'ai aperçu une silhouette qui s'enfuyait du temple Togakushi. Elle est partie par là! Fuma! Papa est blessé! Appelle tout de suite une ambulance! Kamui! On va partir chacun d'un côté pour le prendre en tenaille! Ah.
épée divine. Il l'a volée. Tu as pu le voir? J'ai vu qu'il a volé l'épée divine. Quoi? Elle a été volée? C'est pas vrai. Zut, c'est exactement ce qu'il a dit. Le liseur d'étoiles du Mont Koyam avait annoncé la disparition de l'épée. Il te l'avait dit? C'était une de ses prédictions. Il avait vu que l'épée divine allait bientôt être dérobée. C'est la raison pour laquelle il m'a envoyé ici. Non mais c'est pas vrai, je rêve! T'aurais pas pu le dire avant! Là franchement, je te trouve plutôt gonflé et d'une mauvaise foi incroyable. J'ai essayé plusieurs fois de te parler. C'est vrai, tu te rappelles pas quand t'étais blessé, hein? Je voulais te parler, mais t'as refusé. Tu ne voulais pas.